Benzema qui peut relancer avec Martin Sono. Mollet. C'est Pitiki, hein, quelque peu trahi sur le but égalisateur du Gabon. Hein. Oui, parce qu'il y a une légère déviation du Gabon. Il y a une légère déviation aussi, hein, ça part de Fidjou. Thierry Fidjou. Hein. Non, ça c'est le propre de l'attaquant. Il a senti le coup comme Martin Sono avait très mal défendu sur le coup. Il y a une position dangereuse. Hein. Martin qui s'est bien repris depuis. Et qui, à mon avis, fait aussi une belle compétition. Pour le Cameroun, il avait été impérial. Ouais. Aujourd'hui, il n'a pas été beaucoup pris à défaut. Il me paraît être bien assis, bien concentré. Attention. Le capitaine naturel de cette équipe. Martin Sono, c'est peu là que l'on aperçoit. Attention, Yakuya a surveillé la position. Yakuya, oui. Il a voulu le gardien. Il a été maladroit peut-être, mais il a voulu éviter le gardien. On regarde bien son geste. Il saute pour ne pas du tout toucher le gardien, mais un de ses pieds reste en rade et reste en contact avec la sauté malamant. En première mi-temps, que c'était un garçon à court de forme physiquement, même s'il a eu à marquer le but égalisateur. En première mi-temps, il me paraît être physiquement à court. Pour l'esprit de cette compétition, l'une seule, lorsque l'on prend l'intégration des peuples à travers. Il va faire pour entrer. Est-ce qu'il peut remplacer Daniel Cousin et laisser possible. Dans l'axe pour remplacer aussi Tchivé. Contré. Et là c'est Daniel. Daniel Cousin qui vient de prendre, qui va défendre. C'est un grand monsieur de football gabonais. Il veut sortir. Ça n'a pas suffi. Parce qu'il faut faire un grand match. Hein. Il fait un grand match, Martin Sono. Oui, Martin Sono. Très à l'aise dans ce rôle de deuxième défenseur central. Il n'y a pas belle entente, là. Belle entente avec Erwin Diamant. Il est venu prendre un peu de repos sur le côté droit. C'est justement les concerts de 19. Oui. Oui. Aline Solange, on sait très bien avec 6 points, le Gabon termine donc en tête de ce groupe. Son arbitre. Que ça est transmis. Qu'a-t-il fait, monsieur l'arbitre, encore? Il n'a pas arrêté de faire son. Tant qu'il ne donne pas un carton après le match. C'est plus incroyable. Mon ami Jean-Marie. Alors, Aline Solange, le Gabon avec 6 points, c'est en demi-finale de cette équipe. Le Gabon marque son territoire. Moi, c'est la préparation du champ de leur équipe. Depuis très fort longtemps, Manga Espère a commencé par exemple depuis le 23 août. Ils sont restés dans cette même logique de préparation. Je pense que ça est payant aujourd'hui si on voit Mouele Tsitsiri être en pleine forme. Quand on voit Daniel. Et international et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a soigné les populations de la ville de Franceville et de Bitam que les objets ci-après sont interdits dans les stades pour des raisons de sécurité à l'occasion de la Coupe de la CEMAC au Gabon du 9 au 21 décembre 2013. Armes blanches ou à feu, objets en verre, tout type de projectiles, fumigènes et feux de Bengale, stupéfiants et drogues, allumettes, briquets, cigarettes, banderoles à caractère idéologique et publicitaire. Le comité d'organisation et la CEMAC vous remercie pour votre franche collaboration.